Avec moi aujourd'hui sur le programme est Liz Rachel. Liz est le coach certifié en neurosciences. Elle parle avec Kellen Neurosciences et comment elle est faite en forme. Bienvenue, Liz. Merci, merci Christine. Oh, comment allez-vous? Ça va très, très bien. Très, très bien. Merci et toi? Oui, très bien. Mais la première question, comment t'es en forme? Comment j'ai. Excuse-moi, je vais juste pas répéter. Comment tu être en bonne santé? Ah, OK. Ben, je vais très, très bien. Ma santé va de mieux en mieux. J'ai eu des hauts et des bas, mais là, ça va très, très bien. Je fais de l'exercice, je prends soin de mes émotions, de mon stress. Alors, je vais très bien. C'est important d'en faire un tout, hein? Puis de faire des choses qu'on aime aussi, hein? D'avoir toujours un mindset positif, mais pas juste un mindset positif. Il faut quand même le travailler, ça va avec les émotions, hein? Avec les ressentis, puis pas mal ça, Oui, là. mais est-ce que je prends des marches? Oui, je prends des marches, je fais de la natation, je fais du patin l'hiver, je fais de la musique, j'adore la musique. Je cours pas parce que mes chevilles sont comme plus faibles, je ne peux pas courir, mais je prends beaucoup de marches, je fais de la bicyclette. Qu'est-ce que je fais aussi pour me tenir en santé? Je tiens mon corps en santé, mais je tiens aussi mon esprit en santé parce que c'est 20% l'esprit, 80% le corps. C'est important de faire le bon balancier, là. Oui, mais c'est long. Combien de temps? C'est 1 heure de marche ou demi-heure? Je fais 30 minutes par jour. 30 minutes par jour, c'est très, très bon pour le système, autant pour le corps que l'esprit. J'essaie de faire toujours 30 minutes par jour. Oui, des fois, j'y arrive pas parce que avec les enfants, avec le travail, mais j'essaie toujours de faire mon 30 minutes par jour. C'est très, très bon. Liz, est-ce que tu buvais beaucoup de l'eau, puis la litière? Oui, je bois quand même beaucoup d'eau. Je me nourris quand même très bien. Je me maintiens quand même en forme côté là. Je fais de la méditation aussi. Je fais de la bicyclette. Tu sais, j'aime ça quand ça bouge aussi là, beaucoup. Qu'est-ce que je fais d'autre aussi? La santé pour moi, c'est global, hein? C'est le corps et l'esprit. Alors, Oui. à travers tout ça, avec la nourriture, l'exercice, prendre de l'eau, bien manger, manger des fruits, des légumes, manger aussi, si on aime la viande, moi j'aime la viande, j'en mange aussi, Oui. de donner des bonnes protéines. Oui, c'est ça. Mais tu travailles fort, tu travailles toujours. Est-ce qu'il dépend à quelle heure? Dans le matin ou l'après-midi? Ben, moi, je suis très matinale. Oui. Le matin. Vraiment, le matin, j'ai comme une routine que je me suis établie. Je me lève le matin, je me prépare mon petit café et je commence toute ma méditation. Puis après, je m'en vais marcher. C'est hyper important pour moi mentalement et pour mon corps aussi. C'est vraiment le matin parce que le soir, je suis plus fatiguée, hein, on est moins réceptif aussi. Puis je fais mes consultations aussi le soir. C'est vraiment le matin. Tout se passe entre 5 h et 6 h 30 à peu près. Oui, mais j'aime le café comme toi. Mais je le passais avec de l'eau aussi. Mais moi, je vais poser une question. J'aime la poutine, mais pas beaucoup parce que j'aime du fromage. Mais après ça, j'ai replacé avec des fruits et des choses de même. C'est important pour manger. Comme tu veux, la poutine, mais pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Ça comblait un peu. Oui, exactement. Mais Liz, quand avez-vous tu veux être coach de l'évité en neurosciences? Oh, c'est quand même une bonne histoire. Je vais t'expliquer un petit peu mon histoire, si tu le permets, Christine. En fait, en premier, en tant qu'éducatrice spécialisée de la petite enfance, je vais juste enlever, il y a quelque chose qui affiche dans mon ordi. Oui. Je ne sais pas si ça va partir, en tout cas, peut-être. En tant qu'éducatrice spécialisée, gestionnaire d'entreprise,
entreprise qui coach en milieu et formatrice en familial et en PNL, je me suis penchée sur la neuroscience pour comprendre mon mal-être, mes croyances limitatives, mes paradigmes, mes messages contraignants, les maladies qui venaient constamment à m'affronter et qui étaient mises sur mon chemin. C'est comme ça que ça est venu, mon coaching en neurosciences appliquées. Je vais te raconter un peu mon histoire. C'est quand j'étais très, très petite, dès l'âge de 2 ans, on disait de moi que j'allais pas réussir. J'étais vouée à l'échec. J'entendais ça des adultes. Des fois, les enfants ne se rendent pas compte. Les adultes, qu'est-ce qu'ils disent? Mais les enfants catchent quand même beaucoup de choses. Fait que ça fait à l'intérieur de moi, ça fait comme des blessures de rejet. J'avais comme honte de moi. J'étais très timide, renfermée. J'avais un mal-être. Puis à l'intérieur de moi, il y a une flamme qui s'est dit non, écoute la pauvre, pas vrai. T'es merveilleuse, puis tu vas réussir. Mais j'avais l'impression que je venais d'une autre planète. C'est bizarre, hein, mais c'est ça que j'avais l'impression. Puis parce que très jeune, j'avais des problèmes d'apprentissage. Je manquais de sécurité, je pleurais. On disait que je pleurais tout le temps, là, selon ma grande sœur qui a 4 ans de plus que moi, là, parce que j'avais un système immunitaire très, très précaire et j'avais les yeux croches. Ça aidait pour un bain. Fait que je provenais aussi d'un milieu de famille assez modeste, 7 enfants, dont je suis la 5e. Puis je suis la 2e fille. Puis on est comme 3 filles, puis 4 garçons. Et mes parents provenaient quand même d'un milieu très pauvre, des grands travailleurs, courageux aussi. Mais un environnement vraiment néfaste. Violence physique, psychologique. Mon père était alcoolique, pédophile. Tout ça pour dire des grandes lignes de mon environnement après, quand j'étais petite. Mais après le divorce de mes parents, c'est à l'entour de 11 ans, tout ça pour dire que quand on est petit, les messages qu'on nous dit nous ramènent, hein, nous font des blessures. Fait que moi, je voulais comprendre qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi et pourquoi j'avais toujours ces blocages tout le long de ma vie. Et je me rappelle aussi que j'avais une grand-mère qui disait que je n'aurais pas d'enfant, que je serais stérile quand je vais être grande parce que j'ai trop de maladies enfantines. Mmh. Pas drôle, là. T'es tout petite, puis t'entends ça. Mais c'est vrai que j'en ai eu beaucoup. À 2 ans, j'ai eu des vers intestinaux. À 3 ans, j'ai eu une hernie ombilicale. Après, j'ai eu toutes les maladies enfantines que tout le monde a, le scarlatine, roséole, picote, varicelle. Et j'avais les yeux croches, qu'on appelle le strabisme. J'ai porté des lunettes à 4 ans. Puis mon corps s'est comme développé plus tard un petit peu. J'ai eu mes premières menstruations à 16 ans. Fait que, c'était comme plus tard. Puis vers 17 ans, juste pour expliquer un peu mon background, bien, j'ai eu une expérience assez traumatisante. J'ai eu une mononucléose qui a paralysé ma bouche. J'ai été hospitalisée pendant 1 mois et demi. Et on me disait, ben, si tu veux reparler, il va falloir casser ta mâchoire. Il y en a qui disent que c'est plus là que j'ai fait mon éveil de ma conscience pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais c'est quand même traumatisant. Là. C'est là que je voulais comprendre qu'est-ce qui se passait. Pourquoi ça revient? Parce que les mémoires du corps reviennent. Quand tu vieillis, ça revient, ces mal-êtres-là. Tu veux comprendre le pourquoi du pourquoi. Alors, à travers ça, à travers toute l'expérience traumatisante de cette paralysie-là, bien, mes pensées n'allaient pas avec mes paroles. C'était comme, je pensais à quelque chose, mais ce n'est pas ça qui sortait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Hein? J'étais comme débalancée. Là, de réapprendre, de fermer la bouche, d'ouvrir la bouche, c'est stocké, c'est pris, ça ne bouge pas. Fait que j'ai fait des exercices. J'ai été persévérante, courageuse. J'ai persévéré parce que je savais que j'étais capable de me guérir de ça. Puis c'est là que ça m'a amenée à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. J'ai fait des recherches. Et c'est là que ça m'a donné le goût d'aller faire l'éducation spécialisée, aller comprendre l'enfant en moi. Mais j'ai eu un autre obstacle. Vers l'âge de 29 ans, j'ai eu un cancer de l'utérus, qu'on appelle de l'utérus, du col de l'utérus. Un autre combat, un gros combat. Puis pourquoi c'était un gros combat? C'est que là, j'avais déjà 3 enfants. Et je voulais en avoir 4. Puis là, ben, quand tu as ça, tu ne peux pas avoir d'enfant, là, c'est fini. De 29 ans, tu es déjà. tu ne peux plus en avoir. Là. Et en plus, j'avais une garderie en charge. Fait que là, je me suis dit, oh non, stop. Là, ça suffit. Faut que je vois ce qui se passe à l'intérieur de moi.
Je suis allée, je me suis penchée sur la PNL. Je ne sais pas si tu connais la PNL. C'est la programmation neurolinguistique. Fait que je me suis penchée là-dessus pour aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce que la neuroscience, elle n'existait pas dans ce temps-là. Et oui, j'ai compris que le cerveau était allié avec le corps, puis il voulait faire comme la répétition des exercices, tout ça. Mais je trouvais que ce n'était pas assez. Fait que je suis allée encore aux études. Moi, je suis une grande étudiante. C'est là que je suis allée en neuroscience pour essayer de comprendre, puis là, on en parlait plus, la neuroscience, comprendre ce qui se passait vraiment à l'intérieur de moi. Je voulais savoir comment le cerveau fonctionnait. J'ai réussi toutes mes académies qu'on disait de moi que je ne réussirais pas. Là. J'ai tout réussi. Éducatrice spécialisée, j'ai été en commerce, j'ai eu ma garderie, j'ai été directrice de commerce. J'ai eu 3 enfants, mamie de 3 magnifiques enfants maintenant, puis j'ai une résidence de jeunes en difficulté. Donc, toutes ces expériences-là ont fait de moi qui je suis maintenant. Et avec la neuroscience, ça fait un tout. Ça fait un tout, puis c'est là qu'on peut comprendre plus ce qui se passe dans le cerveau. Parce que le cerveau, c'est quand même très spécifique. Hein. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Oui, non, non, c'est parfait, Liz. C'est comprendre le programme. C'est ça qui m'a parti, c'est ça qui m'a amené avec la neuroscience. Oui, oui, oh, mais non, je... Liz, tu as beaucoup de courage. Puis merci pour ton histoire. C'est très, très important. Très, très important pour les jeunes. Mais je veux poser la première question ici. En practice, est-ce que les clients, c'est en français et anglais aussi? Présentement, c'est plus en français. Oui. Okay. Je n'ai pas encore développé le côté anglophone, donc je pourrais très bien aussi le développer. Mais c'est plus le côté français présentement. Oui, oui. Et puis, expliquez, s'il vous plaît, neurosciences. Si une personne qui veut faire comme toi, comment on travaille? Bien, c'est sûr que moi, je suis allée avec l'Institut des neurosciences du Canada. Je suis certifiée par eux. C'est sûr que c'est un travail à long terme. Ça ne se fait pas de même. C'est pas un 3 mois. C'est un professeur de France qui vient nous enseigner, puis aussi par Zoom. C'est long. On coach des gens aussi. On a quand même. Il appelle ça un peu comme un bac plus 3. On doit écrire un livre, un volume, une synthèse, comme on dit. C'est quand même très. C'est quand même beaucoup d'études. Là. Et j'étudie toujours. Je ne peux pas arrêter là. Il faut que je continue à étudier quand même pour pouvoir persévérer puis pouvoir aussi amener mes clients à un point X, parce que ce n'est pas juste le faire qui compte, c'est être capable d'être dans l'être de l'humain, d'aller chercher le centre de l'humain, comprendre ce qui se passe en dedans de lui. C'est quand même assez profond parce que les gens, ils sont fatigués, ils sont performants, ils ont du stress, ils ont des émotions, ils veulent comprendre pourquoi ils ont ces émotions. C'est ça, mais je veux savoir, Lorenz aussi, tu tes clients, c'est sur Zoom et en personne aussi? Oui, j'ai 2 bureaux. J'ai un bureau à Val-Joly dans mon coin de pays, à Val-d'Or, et j'ai un bureau à Sherbrooke aussi. Ça, c'est du présentiel, et j'en fais par Zoom aussi à travers le monde, côté francophone. Oui, et comment est-ce que les personnes ont contacté? Ils peuvent me contacter soit par Facebook ou je peux laisser aussi mes coordonnées. J'ai un site web aussi. Souvent, ils vont me contacter par Zoom, pas par Zoom, mais par Facebook. J'ai souvent mes clients par Facebook qui vont me contacter là. Oui, est-ce qu'une autre question? Est-ce que vous avez autre chose? En fait, bien, je vais commencer à donner des ateliers. Je voulais juste dire ça aussi. Je vais faire des ateliers de conférences parce que j'ai parti un programme qui s'appelle Fitness Mental. C'est vraiment hot. Là. Je suis vraiment excitée puis emballée. Et je vais commencer à le donner en avril. Je vais le donner en présentiel et par Zoom. Et je vais faire comme le Québec. Et je vais me promener un peu à travers le Québec, ceux qui veulent
devenir ingénieurs de leur conscience, vraiment mm-hmm. travailler sur eux, qui sont fatigués de sont fatigués de se battre contre leurs émotions, leur stress, comprendre comment elles fonctionnent à l'intérieur pour se tenir en forme physiquement et mentalement aussi. Parce que ça va ensemble, c'est de faire ce programme-là, bien, ce que ça va aider à la confiance en soi, l'estime de soi, reconnaître ses émotions, prendre sa responsabilité dans qu'est-ce qu'ils vivent aussi. Ça va être une belle formation que je vais mettre bientôt en ligne, aussi pour les gens qui veulent le faire par Zoom. Alors, ça va venir bientôt, là. Puis aussi, je fais des mini-conférences plein air, qu'on appelle, à plein air, pour expliquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi, notre langage interne, notre langage externe, tout ça est un tout, ça va ensemble. Oui. Liz, merci beaucoup. Ah, je vais demander de faire une autre entrevue. Oh, c'est très, très importante information. Et je suis très contente de parler avec toi aujourd'hui. Oh, merci. Merci, Christine, pour ce beau moment privilégié que j'ai. Je l'apprécie énormément.